Le Nahjul Balore est le miroir total de la parole du commandeur des croyants. Il ouvre à tous qui s'y mirent des horizons de perspicacité et de spiritualité et leur remplit l'âme de la douce harmonie de la beauté de l'existence. Le Nahjul Balore que l'esprit emprunte pour élever l'âme est aussi un tremplin d'envol vers le ciel. Il faut apprendre l'islam dans le Coran, mais le Nahjul Balore est l'interprétation du livre saint et le reflet de celui-ci. Tous les deux permettent de se raccrocher à Dieu. Le Nahjul Balore est le frère du Coran, l'exégèse de la religion et un programme de vie. Continuant le sermon 84 et entamant le sermon 85, l'imam Ali poursuit ses instructions. Dieu Tout-Puissant connaît tout ce qui est caché à l'intérieur des gens et connaît tout ce qui se passe en eux. Il est omniscient, domine absolument toute créature et appréhende absolument toute chose. Il conseille ainsi la vertu aux gens. Celui d'entre vous qui voudra agir devra le faire pendant les jours qui lui sont attribués, avant que la mort ne vienne le ravir rapidement. Il doit se préparer à entamer la marche vers l'éternité tant qu'il lui reste encore le temps et qu'il peut encore respirer. Aux gens, n'oubliez pas que Dieu vous tient responsable des droits qu'il a mis en dépôt en vous. Car Dieu Tout-Puissant ne vous a pas créés inutilement et ne vous a pas abandonnés à vous-même et ne vous a pas laissés dans l'ignorance et l'aveuglement. Et la vie vous conduit vers la mort. Lieu où tout le monde doit aller. Lieu où personne ne peut refréner sa course. Le point final de toute espèce. Le verset choisi par l'imam montre bien comment l'homme est conduit et dirigé vers cette fin. En effet, il prend dans le Coran, le chapitre 50, verset 21, « Avec chaque personne, il y a un conducteur et un témoin. » L'imam continue. Le conducteur le conduit vers la résurrection, pendant que le témoin fournit l'évidence de ses actions. Le conducteur est cette force en nous qui nous conduit dès la naissance au jour de la résurrection, en passant par les différentes étapes, comme la mort, la vie dans la tombe, la renaissance, le jour de la résurrection. Et pendant tout ce chemin, toutes ces étapes, le témoin, lui, apporte les preuves de nos actions. Ainsi, plus le temps passe, plus les gens avancent, plus leurs actions s'accumulent et plus leurs fardeaux deviennent lourds. Dieu Tout-Puissant a fixé pour vous tous vos actes bons et mauvais et connaît ce que vous faites. Il a fixé la durée de votre vie. Prenez soin de vos jours et obligez-vous à la pratique de la vertu et à la pureté. Ne laissez pas vos passions vous déborder, car en ce faisant, vous marcherez dans la voie des iniques. Ne flattez pas les autres, car cela vous conduira au péché. Ô créatures de Dieu, le plus bienveillant d'entre vous envers lui-même sera le plus soumis à son Créateur, et le plus traître envers lui-même sera le plus pécheur envers son Dieu. Celui qui se fera du tort sera le plus grand des perdants et le plus heureux sera celui pour qui la religion est saine. Le bonheur sera pour celui qui tirera leçon des autres et le plus misérable, celui qui se laissera duper par ses passions et son orgueil. Abstenez-vous du mensonge, car le mensonge est étranger à la foi. L'homme sincère se tient sur le point du salut et le menteur sur le gouffre de la chute. Ne soyez jamais jaloux, car la jalousie ronge la foi comme un feu qui consume le bois. Ne soyez pas ennemis les uns des autres, car l'animosité élimine la foi et entame le bien et les bienfaits, et sachez qu'elle obscurcit la raison et fait oublier Dieu. Reniez vos désirs, car les désirs sont fascinants et duperont leur maître. »